Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtue, j'espère vraiment que vous avez la pêche aujourd'hui. On se retrouve sur GTA 5 Online, mais le gameplay n'est pas fort intéressant. Je vais le dire dès le début de la vidéo, je vais vous rassurer, c'est normal s'il n'y a pas les braquages sur la mise à jour 1.18 que les joueurs PS3 ont eu, mais que les joueurs Xbox 360 n'ont pas eu. Je vais revenir sur ça, ne vous en faites pas. Alors aujourd'hui, mardi 18 novembre, les joueurs PS3 ont pu apercevoir une nouvelle mise à jour. Donc ils étaient tous contents, disant « Ouais, les braquages, ils arrivent, etc. » Mais malheureusement, les braquages ne sont pas là. J'ai pas réellement de questions, de réponses à votre question. Mais en tout cas, je vous rassure que c'est normal si les braquages ne sont pas là. Déjà parce que nous, les joueurs Xbox 360, n'avons pas eu de mise à jour et nous sommes toujours en 1.17. Alors déjà, il ne peut pas y avoir un décalage de mise à jour, etc. Alors j'ai essayé de me renseigner via le Rockstar Social Club, via le Rockstar Game, le support de Rockstar, et ils ne savent vraiment pas ce qu'il y a. J'ai essayé de chercher un article via les forums, etc. Mais personne n'a de réponse, que ce soit les joueurs, etc. Personne n'a de réponse. Rockstar ne connaît même pas le problème. Personnellement, je pense que ça doit être des problèmes dus à la PS4 et à la Xbox One, parce que avec le transfert de personnages, ça, j'ai vu qu'il y avait énormément de problèmes à ce niveau-là. Donc peut-être que cette mise à jour 1.18 est due à cela, mais sachez que si vous n'avez pas les braquages, c'est normal, parce que nous, sur Xbox 360, nous sommes toujours en 1.17, mais ça va vraiment être très très dur, parce qu'on a quand même une mise à jour de décalage sur PS4 et Xbox One. Ils sont en mise à jour 1.19, les PS3 sont en mise à jour 1.18, nous, les joueurs Xbox 360, on est en mise à jour 1.17. What the fuck, je sais pas si on va tous passer à la 1.19 en même temps. En tout cas, je vous rassure, c'est normal. Je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux si vous voulez plus d'informations à ce sujet-là. Je vais essayer de me renseigner le plus vite possible via, encore une nouvelle fois, le Rockstar Game ou via les forums. Donc voilà, vous lâchez tous vos avis aussi dans l'espace commentaire. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à lâcher un petit like et un petit partage afin que vos amis soient à leur tour rassurés. Nous, on se retrouve dans de prochaines vidéos. Allez, ciao, bye bye tout le monde.